Dans cette vidéo, je vais vous présenter des outils de travail silencieux pour travailler la batterie. D'abord, le pad d'entraînement Tama TSP9. Ce pad a également l'avantage de posséder une base en bois à la fois classieuse et antidérapante. Ça lui permet de se poser sur une table, une caisse claire ou tout support plat, sans bouger, sans rayer ni endommager la surface sur laquelle il repose. On peut également positionner le Tama TSP9 sur un pied de caisse claire de type HS40 TPN ou un Rode Pro HS800W. Un pad avec une excellente sensation de rebond grâce à un caoutchouc de 6 mm d'épaisseur. Passons à présent aux sourdines Tama Soft Sound Ring. Ce sont des anneaux de caoutchouc mousse de 6 mm d'épaisseur. Ils sont disponibles à l'achat en pack préconfiguré ou individuellement, avec des tailles de 8 à 16 inches de diamètre. Ces atténuateurs permettent de réduire considérablement le volume d'une batterie acoustique. La sensation naturelle et le toucher de la peau sont conservés grâce à un trou central ouvert sur chaque modèle. Pour la grosse caisse, le concept est assez original puisqu'il s'agit d'une mousse alvéolée collée sur une batte en plastique, elle-même fixée sur une batte de métal standard, compatible avec toutes les pédales de la marque Tama.